Il y avait un petit moment que Florian Thauvin n'était plus venu en conférence de presse. Il est vrai qu'après un début de saison plutôt mitigé, l'ex-Bastier n'affichait pas un moral de conquérant. Double retour donc à célébrer à la commanderie ce vendredi, retour en forme et retour en conf. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je travaille beaucoup avec Marcelo Bielsa, j'ai eu des nouvelles consignes. Et mon corps n'était pas forcément prêt pour encaisser tous ces efforts demandés. Il a fallu un petit peu de temps et aujourd'hui, je pense que je suis prêt pour encaisser tous ces efforts et c'est une très bonne chose. On demande toujours à un joueur de donner le meilleur de soi-même et c'est ce que j'ai fait depuis le début de saison. C'est pour ça que j'ai trouvé que les gens avaient parfois été pas très sympas, mais le principal, c'est que le coach et le club et les staffs et les joueurs voient les efforts que je pouvais fournir. J'ai jamais triché et je pense que c'est pour ça aussi que malgré tout ce qui a pu se passer depuis le début de saison, le coach a gardé cette confiance qu'il avait en moi et je l'en remercie. L'ennui, c'est que c'est désormais l'Olympique de Marseille qui semble un peu moins conquérant avec cette série, toute compétition confondue, de 4 matchs sans victoire à l'extérieur. Mais pour Florian Thauvin, pas d'inquiétude à avoir. Alors pour vous répondre, moi je ne suis pas inquiet du tout. Je serai inquiet le jour où on aura moins d'occasions. On se procure les occasions, on les met pas au fond, ce sont des choses qui arrivent. Lorient, c'est le seul match où on a eu du mal où on n'a pas concrétisé nos occasions. Mais moi, j'ai confiance, on se crée nos occasions. L'équipe est toujours autant performante, l'état d'esprit y est toujours. Et tant que ça continuera comme ça, je pense qu'on n'aura pas de soucis à se faire. Cette question-là, nous l'avons aussi posée à Marcelo Bielsa. Alors, nous allons vous épargner l'intégralité de la réponse pour vous en donner que les phrases les plus importantes. Pero una cosa es alabar los resultados. Mais une chose, c'est louer les résultats. Y otra cosa es analizar las producciones. Et autre chose, c'est analyser la production. Entonces, por supuesto que los grandes equipos. Bien sûr, les grandes équipes. Crean muchas situaciones y convierten en un gran porcentaje. Se crée beaucoup d'occasions et mettent les occasions au fond avec un très grand pourcentage. El proyecto de para un partido es mejor tener muchas, es mejor tener una y convertirla y no muchas y errarla. Donc pour un match, c'est mieux d'en avoir une et de la mettre au fond que d'en avoir plusieurs et de toutes les louper. Pero para un proyecto deportivo es mejor tener muchas porque a la larga el porcentaje de acierto se aplica sobre esa cantidad. Mais pour un projet à la longue, c'est mieux d'avoir beaucoup d'occasions car avec le temps la quantité de réussite augmentera. Vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. No lo entendí ni yo. Même lui, il n'a pas compris ce qu'il a dit. Plus sérieusement, à 3 journées de la trêve, Marcelo Bielsa pense-t-il pouvoir accrocher ce titre honorifique de champion d'automne? Souhaite-t-il même rester premier? Là encore, vous allez voir, le coach était dans un jour mythique. Mire, para mí lo importante es ganar. Pour moi, ce qui est important, c'est de gagner tous les matchs qu'on joue. Et jamais je vais imaginer terminer en dessous de ce qui nous permettrait d'avoir un triomphe. Je pense toujours que gagner, c'est le meilleur. Donc si on gagnerait tous nos matchs d'ici à la trêve, on terminerait premier. Si je considérais qu'il n'est pas bon de terminer premier, je devrais désirer qu'un des matchs qui nous restent ne se gagne pas. Et pour moi, gagner chaque match, c'est le mieux. Une info quand même, André Ayou est de retour dans le groupe. Alessandrini, lui, est toujours forfait. Il y a donc au moins 2 joueurs qui sont sûrs de ne pas fouler la pelouse dimanche. Alessandrini et Doria.